Et nous sommes repartis pour The Surge 2. Je suis allé retourner voir mes anciennes vidéos sur The Surge 1. Il y en avait quand même. Ça va ou oh. Take care of yourself, friend. Merde. Ok. Il y en a au moins. Il y en avait quand même 28 pour la première fois à laquelle j'ai joué au jeu. Donc c'est déjà pas mal. Et après, il y avait. J'ai fait le New Game Plus. Il y en a à peu près 8, je crois. À chaque fois, c'était en gros une heure de vidéo à chaque fois. Donc il y en a beaucoup quand même. Hein. Et j'avais complètement oublié, j'avais même fait des vidéos sur les armures. J'en ai fait 4. Parce que, honnêtement, en fait, c'était beaucoup de éditer tout ça. J'avais pas trop le temps à l'époque. Parce que ça remontait à quelques années. Il fallait beaucoup éditer et tout, donc j'en ai fait que 4. C'était plutôt sympa, j'aimais bien. Genre je montrais certains sets d'armure et tout ça. J'ai fait quoi d'autre? Et après je fais les DLC aussi. Les DLC de The Surge. Ouais, honnêtement, j'avais beaucoup aimé le premier, je m'étais bien amusé au final. Je m'étais bien amusé sur ce petit jeu. Et là c'est pareil pour le deuxième, honnêtement, je passe un bon moment. En tout cas, on avait fait pas mal de choses la dernière fois, mais... Mais, il y a du monde là, t'es qui toi? Oi, hello again. Haven't I seen you before? Just moved here from Port Nixon. The world might be going to hell in a handbasket, but at least old Gideon's back where he belongs, eh? Ok. Bah très bien. Je suis content que tu sois heureux, mec. Ok, on a même un enregistrement qui traîne maintenant. Left you a little message just in case. Me and the boys have hit the road. There's nothing left for us now that the creatures kicked the bucket. I'd watch out for those other hunters if I were you, by the way. Those loons are a lost cause. Anyway, I'm sure we haven't seen the last of you. What's the saying again? You always meet twice in life. Oh. And don't even think we forgot about your debts. You owe us big time, bucko. Okay, cool. Sympa. Ow. Okay. Mais protège-toi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est bon? Je peux taper au bout d'un moment parce que là ça commence à me saouler. Ah, merci. Ouais, on n'a pas le même style. Toi t'es super agile, machin. Tu tapes avec une. Avec un coton-tige. Bon, moi j'ai une grosse hache. Bon, c'est pas pareil. On a des différences. Dans tous les cas, ouais, j'ai quand même beaucoup kiffé The Surge 1. Voilà. Yep. Voilà. Et le 2 c'est pareil. Waouh. Okay. Le 2. Ah putain de sa mère. Qu'est-ce que je t'aime pas toi. Oh là là. Ah bah putain. Désolé, je suis un peu... Je crois que je suis un peu froid. Niveau combat, je crois que je suis un tout petit peu froid. Mais par contre après, ouais non, la hache elle est pas top hein, quand même. Enfin elle est simple, moi le truc c'est qu'elle est stylée. Je la mets du côté stylé. Le plus utile pour le moment c'est le katana, honnêtement il fait très mal. Et il est simple à utiliser, genre il consomme pas beaucoup d'endurance, il fait mal. Il est rapide. Enfin voilà quoi, c'est hein, bon, ça va très bien. Et après on a la grosse hache. La hache qui est sympathique, mais sans plus. Je sais pas. Oh, je sais pas à chaque fois. J'ai toujours encore une fois, j'ai toujours eu des problèmes avec The Surge pour les armes.
Il n'y a pas vraiment une arme qui me dit de... Waouh, j'adore ça. Ouais, la grosse hache dans le premier, à la limite. À chaque fois, c'est de l'équipement militaire, en fait. Il n'y a que ça qui me plaît dans ce search. Que ça soit militaire. Comme l'armure qu'on avait avant de AID. Ce mouvement là, cet enchaînement, quand il fait tourner la hache, j'aime beaucoup. Ah putain. Non, on va partir de cet endroit parce qu'il y a un peu trop de monde. Ok. Bien, je vois 471, c'est pas mal. Très bien. Ouais, c'est parce que lui il a la très très grosse armure. Très bien. C'est quand même bien d'être buffé, je regarde sur le côté gauche là. Il y a peu de jeux aussi, il y a beaucoup de jeux qui ne font plus ça. Enfin qui le font mais pas tout le temps. C'est qu'ils affichent les buffs qu'on a, qui se déclenchent en fait. Après, The Surge est pas parfait parce que par exemple, la défense qui est en plus, genre quand on a 3 batteries, ça s'affiche pas. Mais ouais. Là on a combien? 659. Et là, 509. 509 de défense quoi. Du coup, est-ce qu'avec lui, on a quelque chose à faire Привет. Encore? Привет. Non. До свидания, товарищ. Non, non, non. Bon, on va continuer. Ah, oh. Ah, oh, salope. D'accord. Waouh, le tracking, quoi. Voilà. Un 509 409. Ouais, c'est toujours 100, c'est bien. Et après on arrive à 600 et quelques avec avec le buff à préparer. C'est très bien. Non, c'était par là donc on veut aller. Pas ce passage. Voir rien du tout. Du coup, non, on voulait aller où exactement? Parce que je me rappelle plus vraiment. Ouais, il y a eux. Où est-ce qu'on voulait aller? Cool. Très bien. The spark will strike, the world will change.
Ah oui, on doit aller au port Nixon. C'est vrai. Mais on avait décidé de se balader un peu pour quête secondaire et tout ça. Calme-toi, calme-toi. Va pas me saouler. Très bien. Ah bah oui, hein, oui, 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 elle tape fort, la hache. En impact. Oui, 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 ça va vite. Ça va vite. Alors... merde. Il me faut de la vie. Il me faut de la putain de vie. J'étais bloqué. Pourtant, j'ai essayé d'esquiver. Hein. J'ai putain d'essayé d'esquiver. Ah, je les aime pas, eux. Ah, c'est de la merde, ces monstres. Surtout quand ils te foncent comme ça, là. Oh, on est à 220 mètres, mec. Allez! What? D'accord, va te faire enculer quoi. Désolé, je commence à m'énerver. Par où on passe du coup? Ah, 120 mètres, 1 minute 30. Pas par là. 1 minute. Putain, on va tuer des mecs. On va tuer les deux là qui sont en face, qui sont pas loin. Bon après c'est que 16 000, c'est pas très grave. Mais bon. Très bien. Ah, qu'est-ce que c'est chiant le fait d'avoir X pour récupérer les objets et X pour voir les événements. Aïe aïe aïe, à chaque fois que maintenant qu'il y a ça, genre une touche qui fait deux actions en même temps et des fois ça fout la merde comme là par exemple.
Genre la caméra elle faisait n'importe quoi. À chaque fois dans ma tête ça fait ah l'imitation console avec la manette. À chaque fois je pense à ça maintenant. Voilà, 1 minute 30, très bien. Ok, on est bon. Voilà. Oh, attends. Très bien. Ça l'a tué l'autre ou il est parti? Je crois qu'il est parti. Waouh, le coup. Je vois rien, faut pas bouger. Le changement de cible aussi, des fois, il est un peu relou. Tu vas taper, tu vas faire quelque chose ou pas, non? Ok, cool. Très bien. Genre, en fait, ce qui est embêtant dans le jeu, genre pour améliorer le gameplay sans faire grand chose, ça serait que le jeu soit non, ça serait que le personnage soit réactif quand on est en train de faire une animation pour couper un membre. Parce que en fait, quand on coupe un membre, on peut pas genre changer de cible ou faire des choses comme ça. Et ça pourrait vraiment aider de pouvoir faire ça en fait. En plus, eux, ils donnent des composants rares. Ou genre quand on est en combo aussi, pouvoir changer de. Comment ça s'appelle, de membres qu'on cible ou quelque chose comme ça. Genre juste que ça soit un peu plus responsive. Responsive? Non. Un peu plus. Ouais, que ça répond plus vite quoi. Ça répond mieux. J'essaye de transférer un mot en anglais en fait en français, ça marche pas. Ouais, très bien. C'est des petites choses en fait qui seraient faciles à faire mais que les devs n'ont pas fait, je sais pas pourquoi à chaque fois. Oh. Putain, t'as du bon truc. Tu vois? Ah non, c'est un tas de ferraille. J'ai rien dit. Ah putain, on va se taper celui-là du coup. Bon. Ah, quoique non, peut-être pas.
C'est juste des... des parties de nanites en fait. Ok. Ah la pute quoi. Ouais le, les enchaînements sont bien. Avec la hache. Damage detected. C'est juste qu'ils sont pas assez rapides honnêtement pour une hache. Putain là on gagne du... 8, du 8. Tungsten en 8, ça c'est bien ça. On pourrait aller là-bas. Ou alors là. Je vais voir un peu. Ah, on revient là au début du jeu. On voit un peu comment ça a changé. Ah, c'est tout bloqué maintenant. On a des aussi des marchands où on n'a pas acheté les améliorations. Je me rappelle de ça. Ok, on peut se reposer ici. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, fabriquer. Ouais, non, moi je veux ça. J'attends ça en fait. Le ID Ronin. Hein, pour voir si ça vaut le coup. Ça peut être intéressant. Comme j'ai dit, et on prend full équipement ID Ronin. C'est de la sentinelle, donc c'est du moyen. J'aurais préféré un Goliath honnêtement, mais bon. Ça va quoi. Ça on va mettre tout le temps. Orange. On a mis déjà en rouge. Ah oui, pourquoi on avait mis en rose? Ah oui, c'est parce que ça a diminué la vitesse d'attaque. Mais là, les prochains... Ouais, le prochain, il y a le casque. Il y a le casque à la limite qui peut être intéressant. Mais le reste, on gagne juste de la défense en plus en fait. Ouh, on peut mettre le katana. Ah ah! Ah, le katana il est bien quand même, hein. J'avoue que c'est une valeur sûre, allez c'est une valeur sûre, donc lui on l'augmente. C'est vraiment parce que c'est une valeur sûre en fait. Prendre à quoi par marque. Après le reste on peut pas. Ouais, c'est simplement parce que c'est une arme basique, très simple à utiliser. Donc ouais, c'est vraiment que pour ça en fait. C'est pas difficile, ça marche sur tout en fait. Ça qui est bien c'est que ça marche sur tout. Putain mais t'es niveau 8, vache. J'avais pas fait gaffe qu'ils étaient aussi élevés en fait. Il est tombé. Ouais, il est tombé. Fait chier. Chier. Eux ils seraient sympas à farmer en fait. Pour l'équipement. Enfin pour les armes. Bon après on a notre katana augmenté. On n'a pas besoin d'augmenter plus que ça. Je me demande si ça sert à quelque chose de monter. Oh, oh t'as l'équipement que je veux. Enfin t'en as une... Ah, t'as le casque quoi. Non mais attends, Non, attends. Tu commences à me saouler.
on est bon. Par contre, c'est pas tout jaune l'équipement. Non, si, apparemment, non. Ouais. Il y a que le casque qui est jaune. Carte d'accès des canaux. Okay. Où est-ce qu'on va là? Mais merde. Du mal lui. Très bien. Par contre, je veux revenir de ce côté-là, voir si on peut pas trouver d'autres Ronins. Ok. Bien. C'est du Ronin ou pas ça? Non, je pense pas. Il y en a combien? 3? Fait tellement mal en fait quand on contre-attaque avec le katana que du coup on peut les défoncer assez vite en fait. Waouh, ok. C'est assez violent là. Pas te ramener. J'ai changé de... Apparemment j'ai changé de... zone où je tapais. C'est quoi ça? Alors, vous rend de la santé après 5 frappes consécutives réussies. 10% de vie. 5 frappes, c'est beaucoup 5 frappes pour moi. C'est bien pour les armes rapides, ça évidemment. 5 frappes, c'est quand même beaucoup. C'est bien pour les armes de pugilat et tout ça. Après le katana. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, non, c'est. Même le katana. À la limite, avec ça. Genre comme ça. Ouais, ça peut être. Ça peut être bourrin. Ça peut être pas mal pour un moyen de se remettre de la vie. Je vais être honnête, je sais pas vraiment où aller là. Ouais, enfin pour Nixon, oui, donc du coup c'est pas...
tu vas? J'aime pas combattre à côté de l'eau. Ouais, les coups de grâce sont cool avec le lâche. Ah oui, on aurait pu passer par là en fait. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, vous voyez que c'est un labyrinthe en fait, du coup, ça redevient un labyrinthe. Mais ouais, on aurait pu éviter pas mal d'ennemis en fait en passant comme ça. Ah oui, mais du coup on peut plus monter. Non, mais j'ai rien dit en fait. Ah non, ouais, non, j'ai rien dit. Ah merde, on va devoir se retaper le chemin. Comme ça. Ok, cool. On est où là? Ok, porte connectée. Tant qu'on entend l'autre folle. Ah, parfait! Yes! Par contre, tu m'as saoulé. Ah, mais l'interrupteur, il est en haut. Ah, il est là. Que je peux. Bon, bref, on avance. On avance. Et dans quel côté on avance? C'est ça le problème. Là. Non, on vient de là. Putain, je suis encore perdu. Hein. Ah non, on continue sur la gauche du coup. On va là-bas. Port Nixon, c'est là-bas. Ouais, mais comment on passe? Ah, par là-bas. On peut passer par là, mais le ça va où quand on monte? Je me rappelle plus vraiment. Ah oui, au début, au tout début. On pourrait revenir au tout début dans la prison, là, voir ce qui se passe. Non? Enfin, je sais pas, ouais, on fait un petit tour, vite fait, on est à côté. On va vérifier, quoi. Moi, je dis pas non. Centre de détention. Que tout le monde est devenu fou ici ou pas? Hey les mecs. Welcome to our sanctuary, fellow outcast. Nobody'll hurt you here. See that repeller up there? We found it, reassembled it, made it stronger than ever. It's just me and the boys here. Why should we leave? This prison is the only home we know. The nanites are powerless against our tech. Join us. There's more than enough room.
Où avez-vous caché votre répulsif? Ah oui, bah oui, du coup, c'est là les répulsifs. C'est bien ce que je pensais aussi. C'est ici qu'on doit récupérer le répulsif pour Warren. Parti ici maintenant, je prends le répulsif. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Building a future. The cops left this repeller when they ran away with their tails between their legs. But their loss is our gain. This thing's worth a mint, and we guard it with our lives. Hmm. It's hanging right above us, friend. Range isn't huge, but it'll do the trick. As long as you stay in here, you can forget about those nanites. Maintenance is a bit of a hassle, though. Some moron thought it was a bright idea to hide the control switch upstairs. Oh well, it's not like we're gonna release that repeller coil anytime soon, huh? ok. You'll be safe here. On va se balader un peu, on va voir un peu où est-ce qu'ils ont mis exactement le répulsif. Merde! Ah la vache. C'est pas ça. C'est pas ça que je voulais faire. Il y a quoi en dehors? Ah, il y a plein de fous quoi. Ça marche. Bon. Prochain équipement, peut-être le Ronin. Ou alors, ça serait l'équipement de frère Ellie. Je sais pas comment on récupère les autres parties par contre. Mais l'équipement d'Eli, ça peut être pas mal. Alors, mec, tu m'as dit en haut. Donc ça protège le bâtiment entier ou pas? Ah. Couloir de haute sécurité. Est-ce qu'il y avait des tyroliennes ici? Genre qu'on pouvait pas prendre au tout début du jeu. Je pense pas. Ce qui est un peu con, c'est que les Z là, faudrait qu'ils les enlèvent en fait. Alors ça. Alors nous on a deux parties du Ronin. Vitesse d'attaque plus 2%. Have a nice day, officer. Merci. Il y a l'autre qui parle à la télé. Ouais, il n'y a plus personne ici. Bon. Bon. Il n'y a rien à aller voir. Ah, par contre, j'avais débloqué là une porte avec le... notre drone. Et je crois qu'on était bloqué, non? Fais voir un peu où ça mène. Vers les souterrains, fais voir un peu ça. Je crois qu'il faut une tyrolienne. Je crois qu'on était déjà allé il y a un petit moment. C'est un peu le bordel ces souterrains. Il faut qu'on tue encore deux mecs de l'AID là, transformés. Ils sont assez costauds eux, hein. Ils sont assez comiques. Ok, cool. Très bien. Je vois rien. Ok, là on a...
là, on arrive aux ennemis au niveau. Oh, tu m'as gavé. Encore heureux qu'on prend pas beaucoup de dégâts, honnêtement. C'est quoi ton arme? Sympa. C'est à moi maintenant. Ah, du coup, ça va être sur le drone. Ok, donc on a une version électrique et des dégâts électriques. C'est en continu, du coup. Rayon électrique de l'illuminateur de l'étincelle. Et on a nouveau bras. Protège-bras de galvaniseur de l'étincelle. Alors, dégâts électriques plus 20 augmente la durée des étourdissements électriques infligés aux ennemis. C'est pas mal. Neuf. Ah, c'est un... Ouais. C'est bien ça. Putain, la merde. Un peu la merde pour le timer lui. Prototype anti-nano, 3 sur 3. On a eu un nouvel implant aussi. Augmente les dégâts de poison et les nano-dégâts infligés aux ennemis, ainsi que l'intensité des effets de poison et de nano effets déclenchés. Ouh, ça peut être pas mal ça. Genre par exemple, on prend... tout l'équipement qu'on contre, là ça fait une explosion par exemple. Et on met ça, 30% en plus de dégâts. C'est pas n'importe quoi. Faut qu'on teste... Ah oui, je me rappelle ici. Du coup ça c'est vers le métro je crois, non? Port Nixon, ok, on peut passer par là pour Port Nixon. On va essayer de trouver le mec. Oh, il y a un coffre là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tuer un ennemi avec votre drone vous confère de l'énergie. 100 d'énergie, c'est pas mal. Ah, parce que tuer les ennemis au drone, ça donne rien du tout en fait. Donc c'est pour ça aussi que... Close to a breakthrough. We found a way to merge man and machine in glorious unity at last. It took me a long time to get to this result, but now I can see clearly. What have I done? What scourge have I unleashed? No, wait. Children, it wasn't me. This was Barrett's plan. He wanted this. He asked for it. I only did what I was told. I have to change my ways. I can save everyone if I survive long enough to pay for my sins. I will hunt
them down one by one. Lorsqu'une attaque ennemie aurait dû vous tuer, la santé est restaurée au prix d'une batterie. What? Genre, il y a un cooldown ou pas dessus? Parce que ça, c'est assez abusé. Genre, santé restaurée. On a 150 HP donnés au lieu de mourir. Pour le prix d'une batterie. Ça tue. Tu veux pas ouvrir, Warren? Putain, fais chier. Warren, tu nous fais chier. C'est là-bas qu'on doit aller. Putain. Je suis quasiment sûr que c'est de côté de Warren qu'on doit aller. pour rendre la quête. Ah, fais chier. Non. C'est pas grave. Ça c'est pute quand même d'avoir bloqué ce côté quoi. Ah, ça m'énerve parce que je me dis, est-ce que si on avance, peut-être qu'on va plus pouvoir revenir en fait. Donc ça me ferait chier. Faut qu'on teste le. Notre nouvelle arme aussi. Ça doit être pratique pour les électrocuter les gens. Non, c'est pas par là. Bon, du coup, leur répulseur, ils l'ont foutu où? Il avait pas parlé d'un grappin, enfin il faut un grappin pour y aller. Okay. Parfait. Ah mais c'est ça en fait le répulseur. Okay. Ah. Ah oui, du coup ça a libéré. On aurait dû peut-être leur dire de partir. Non, c'est pas grave, c'est fait. Oh la putain de toi, quoi. Très bien. Bobine répulsive. Très bien, objectif. Ah, peut-être qu'on peut... On peut peut-être passer maintenant. En bas, dans le souterrain. Il y avait une porte où j'ai trouvé le coffre. Enfin, où j'ai trouvé l'enregistrement. On peut peut-être aller faire ça, voir un peu comment ça marche. Si ça nous permet de... De se déplacer comme ça. On va voir. Et oui, j'ai toujours pas testé le... Notre drone, c'est bien. Ouais, on aurait dû peut-être... J'ai pensé que les monstres allaient arriver et les tuer. J'ai pensé en fait, quand on leur parlait. On aurait dû leur prévenir, mais bon, ils étaient là, ouais, on va le défendre avec notre vie et tout.
Ouais, ben voilà, c'est ce que vous avez fait, quoi. Au moins, vous avez pas menti. Ils l'ont défendu avec leur vie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Y a rien à dire. Ah, on va devoir se retaper les monstres. Fais voir un peu. Et c'est pas mal. Warren, ouvre. Tu fais chier, Warren. On va devoir faire un détour à cause de toi. Oh la vache. Je peux pas aussi utiliser les implants pendant que je suis en animation. Je peux les changer, mais je peux pas utiliser les implants. Mais même le mec réapparaît. Ah ouais, non, ça c'est pute par contre. D'accord, tu vises le bras ? Il est bloqué. Attends, j'ai plus de tir. Je l'ai bon, je l'ai tué, je crois. Alors, fais voir. Peut-être détruire par la puissante attaque. Ah merde. Je peux pas. Qu'on apprenne à l'utiliser, j'imagine. Hop. On va par là. Faudrait reparler à Warren, faudrait retourner voir le mec dans les souterrains aussi, faut... Ouh là là. C'est toujours tout labyrinthesque, tout, c'est chiant. Très très chiant. Les mecs, ils doivent, les devs, ils doivent, avoir un... ils doivent s'amuser à fond, quoi. Ils doivent se dire, ah, regarde, on fout des labyrinthes partout, les mecs, ils vont devenir fous, quoi. Ouais, je suis d'accord, honnêtement, c'est bien ça. Genre, y'a quoi à faire à Port Nixon, du coup? Du coup, y'a rien. Ils ont même pas l'air d'être... Ah si, il y a le... Il y a les mecs de l'étincelle en fait à trouver. L'autre il est plus là.
les dégâts qu'on prend. Terrain inondé. Ouais, du coup j'ai fait le tour. Ouais, non, il y a rien à faire. Hein. On se casse. Enfin, si, il faut trouver l'endroit en fait où ils se cachent eux. Il avait dit que c'était où Warren. Alors peut-être faut aller parler à Warren d'abord. Quoi. Moi, je pense qu'il faut surtout parler à Warren. Ouais. Ah! Ah! Là-bas! Mais oui, nouvelle zone. Complète de l'étincelle bleue. Ok, là-bas. Du coup, là c'est où il y a la station, ouais, ça marche. Il y a deux endroits. Allons-y. Cimetière de bateau. T'es venu ici ou pas? Je crois qu'on était venu hein, ici. Il y avait une... Ouais, on était venu. Ok, très bien. Donc on peut repartir de l'autre côté, on peut avancer dans l'histoire en fait. J'imagine. Mais est-ce qu'on veut pas d'abord faire autre chose? Oh putain, ça m'emmerde ça. Centre-ville de Jéricho. Où est-ce qu'on est? The old JCPD building is our last refuge. When the lights go out, we will stand strong and fight back. A safe haven for everyone who deserves it. We will start again and leave the past behind. Come now, fellow outcasts. Together, we shall prevail. Ah, si on était venu ici, je crois. Mais du coup, vu que le pont il est détruit, enfin la ville elle est à moitié détruite, on passe par là, on fait le tour en fait. Je sais pas trop, hein. On va voir. On va voir où on finit. Puis après, je sais pas, on se baladera encore une fois. On fera le tour du monde encore. Bon, on va retrouver Warren. Ah. Pas.
Très bien. Merde, putain, j'ai maintenu une direction en fait quand je me suis protégé. Du coup ça, ouais, parce que si en fait on est en pile devant et qu'on maintient une direction, bah du coup ouais, on se protège pas en fait. The nanites have taken over our city. Soon they'll take over the world. It's too late to fight back. Human civilization is crumbling in front of our very eyes. We can only hide now. Far away from the machines. Join us, fellow outcasts. The righteous will survive. C'est le mec qui avait le répulsif. ouais, faudrait plus de Ronin. Y a aussi un truc qui peut être pas mal maintenant, c'est... Enfin, maintenant, pas vraiment, mais ça, par exemple, augmente les dégâts infligés par les attaques de drones canalisatrices en continu. Donc ça, c'est pour le feu et l'électricité, par exemple. Et on a d'autres... Ah bah ça, par exemple. Provoque une augmentation des dégâts des attaques de drones canalisation en continu selon la durée de leur canalisation. Ça peut être pas mal aussi. A.I.D. Centauri. D'accord, en une courte instance, que vous frappez un ennemi avec une attaque de mêlée, l'effet peut se cumuler grâce aux attaques suivantes. C'est marrant, parce que là, c'est... C'est avec le drone et c'est en corps à corps aussi. Ah tiens, on pourrait augmenter le bras en rose. Oh la hache, on peut le faire aussi. On peut faire ça. Consommation, et là c'est quoi? Gain d'énergie, ça monte à 80%. Ah, on va prendre, on va augmenter la hache. L'arme double. Ah, très bien. Le katana, les dégâts du katana, ils sont abusés, quoi. Il a 377. La... Attends, qu'est-ce que je viens d'augmenter? Oui. Ça, c'est 337. Genre, pourquoi le katana est aussi abusé, quoi? Et là, c'est 330. Ça montrera 392, le marteau. Ça sera un peu mieux. Mais bon, le marteau, voilà quoi. C'est gain d'énergie qui est pourri. Alors que le katana, il est un peu abusé en fait. Il est abusé de tous les côtés. Submit, citizen. Ok, d'accord. Lethal force authorized. Damage detected. Ah la base, vous me faites chier. Très bien. Donc maintenant, on retourne voir Warren. On va crever avec tout ce qu'il y a. Ok, on va se mettre là déjà, on va se calmer ici. Deux secondes. Voilà, très bien, fou. mais ouais, il faut retourner voir Warren. Et...
Et ouais. Ça mène où ça? On est allé là ou pas? Ah! Se rendre au parc, déplacement rapide annulé. Cool. Ok, si t'as quelque chose à me dire, toi? I always knew you'd hold up. Ok, cool. Brother Eli has risen from the grave. Smile, acolyte. Now we're all gonna die in a fiery blaze of glory. Super. My favorite. Vendre quelque chose. Thanks. Ouh, casque Angel 6. Yeah, on a toutes les parties, je crois. Je crois qu'on a toutes les parties. Les tags aussi, il faudrait les acheter. Bon, après, je compte pas vraiment rejouer au jeu une fois qu'on aura fini le jeu, mais... Alors, donc on a ça. Augmente les gains d'énergie lorsque vous portez n'importe quelle arme, nom de code créo. Faudrait savoir en fait de combien d'énergie c'est. En plus, c'est une Goliath. Ah, on pourrait cosplay. Genre, c'est quoi? C'est Fury? Dans MGS? Je crois. Tu vois un peu? Ah putain. Ah, très bien. C'est Fury dans, qui s'appelle le mec qui. Qui brûle. Oh waouh, ok d'accord. Eh, c'est balèze hein. C'est balèze. Ah les bras. Ah le bras je peux pas le mettre. Waouh. Mais c'est abusé. Mais comment ils pensent que ça va marcher quoi? Quelqu'un va mettre ça. C'est débile. Viens-moi ce truc. Viens-moi ce machin, mais personne va mettre ça. Mais ouais, c'est un costume d'astronaute en fait. Ça fait vraiment Fury. Ah, c'est chiche parce que j'ai pas assez d'énergie. Voilà. Trop bien. Trop bien de combattre comme ça, hein, aussi gros. Un peu débile. Donc ça nous donnerait... Augmente l'énergie, vous portez n'importe quelle arme. Donc créo, augmente l'impact et la vitesse d'attaque quand vous portez n'importe quelle arme, nom de code créo. Mais ouais. Et l'implant, il faut remettre... C'était quoi? C'était le la direction. Ouais. On va peut-être pas monter de niveau pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Goliath étincelle, augmente durée d'empoisonnement chez vos ennemis. Non. Dégâts électriques. L'éclipse, ouais, quand vous portez un marteau, ça se pourrait être bien avec notre hache. On aurait le casque. Ça, le casque est joli. Mais on l'enlèverait. On enlèverait quoi en fait? Je sais pas. Ouais, moi c'est le Ronin AID que j'ai envie de tester. Après je sais pas quoi faire. Je
J'ai pas envie de mettre une armure opérateur, honnêtement, parce que je vais me planter dans les esquives et tout, on va se prendre des baffes et moi je vais crever en 3 secondes. C'est ça mon problème en fait. Quantité de siège, que de grâce à l'unité de batterie. Coût en endurance des esquives, l'ennemi augmente la vitesse d'attaque. Pff, ouais, je sais pas quoi faire. Ouais, le seul truc, ce serait le Ronin, on testera. Pour le kiff. Et après, on pourrait mettre du Goliath Eclipse, en fait. Pour avoir augmente, quoique, en fait, augmente l'impact, donc porter un marteau, c'est pas énorme, en fait. C'est pas vraiment ultra utile. Faudrait que on utilise la hache, en fait, tout le temps. Et du coup, ouais, ça aiderait. En fait, c'est que là, on a une armure... Là, tiens, on peut l'augmenter aussi. Ouais, on pourrait. Pourquoi pas. Je sais pas. Non, pour l'instant, non. Là, en fait, on a une armure... Enfin, deux parties d'armure qui va avec tout. C'est ça, le truc. C'est que ça marche avec tout, en fait. Genre, on a trois batteries, on a de la défense en plus. C'est bien. Bah, c'est tout simplement bien. Partout. Avec n'importe quelle arme aussi, ça marche. Et après, pour la parade... réduit le coût en endurance des parades. Donc ça aussi, c'est super utile en fait. Donc y a, pour l'instant, on peut pas mettre un truc plus intéressant, je pense. Sans changer notre gameplay. C'est ça le truc. Ouais, je vais peut-être me mettre la hache en 9. C'est quoi, c'est en 9? Non, c'est en 8. Ouais, on va peut-être le faire. J'aurais pu garder les peu de 9 qu'on avait pour pouvoir augmenter le katana en 9. Hein. J'aurais pu faire ça. Ça aurait été honnêtement une meilleure idée. Je vais être honnête, ça aurait été une meilleure idée. J'étais con. Après la hache, ouais, 448, 467, ouais, non, ça restera quand même mieux le katana au final. Hein. C'est marrant parce que la vitesse d'attaque, elle a 112% pour le marteau. Et là, c'est 105, mais honnêtement, le katana, il tape plus vite, quoi. C'est les mouvements, en fait, je sais pas. En tout cas, on va faire une petite pause ici. Je pense que je vais aller voir où on trouve Warren. Enfin, c'est de quel côté, parce que je me rappelle plus non plus. Et on continuera de ce côté-là. Mais ouais, il nous faut des nouvelles... nouveaux équipements. Je voudrais bien changer, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose avec quoi changer, en fait. C'est ça, le truc. Il faut qu'on coupe des jambes aussi. Genre le torse, ouais, non, le torse aussi. Le casque. Ouais, dans le casque, on peut jusqu'à 7. On en a beaucoup des parties. Les bras, on en a beaucoup jusqu'à 7 aussi. Il faut qu'on coupe surtout des jambes, parce qu'on en a très peu, en fait, des parties pour monter jusqu'à au niveau 7. Et des torses, pareil. Ouais, on va pouvoir faire ça. Ouais. À plus tard. À plus tard. Et on est reparti pour du Surge 2. On sait où aller. On sait où aller, c'est pas loin. On va aller voir Warren. On va aller voir Warren. Et peut-être qu'on va aussi trouver le chemin pour l'autre mec. Pour donner la quête. On a deux quêtes à rendre. La quête pour Warren et la quête pour le mec qui voulait qu'on tue ses coéquipiers qui sont devenus des zombies. Alors... Excusez-moi, putain de merde. Non. Non. C'est là. Enfin, c'est pas exactement là. Hop là. Non, non, non. No infections.
Ah, très bien. Pas d'infection, pas d'infection. No infection detected. Aïe, 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 aïe. On va pouvoir avancer. Je pense qu'on est proche de la fin du jeu, hein, mais encore une fois, vu qu'il y a plein de petites quêtes et tout, on peut sûrement refaire le tour, reparler à des gens, débloquer des choses. Ça va. Alors attends, avant que je te parle, on va faire ça. Yay! Yo Warren. Need anything? I still have a lot of prep work to do. Tu veux que je fasse déjà? Look around for a repeller coil. Maybe voilà. They have one in the high security prison. In the meantime, I'll hack the train. Ok. Looks like it's all coming to a head. Donc il veut. Après c'est le métro quoi en gros. Oh. Très bien. Les dégâts sont pas mal, hein. On fait du 800 et quelques. Très bien. Il y a l'autre qui est revenu. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'eux en fait? Ouais, d'accord, le mec il s'en rend compte direct que t'es là, quoi. Merde. Là, je l'ai tué, tu vois. Je crois qu'on avait des implants avec eux, mais ah bon, ça doit être... doit sûrement être aléatoire, j'imagine. Enfin, non, peut-être que genre ça marche qu'une fois et puis voilà quoi. Est-ce qu'on a fait ce côté-là? Il y a un passage là. Où est-ce que ça va? Dis-moi que c'est encore une sorte de raccourci. Oh. Attends, t'es de dos. Après, on peut un peu spammer. Très bien. Prototype anti-nano 2 sur 3. Ah, on avait peut-être pas fini en fait. On avait le 3-3, le 2-3 et le 1-2. Je sais pas. Ou alors c'est complètement au hasard. Où est-ce qu'on est? Ou alors c'est complètement au hasard leur drop. Très bizarre leur... des fois les instructions du jeu. On va aller reparler au mec, mais du coup, bah du... Ouais, ça m'étonnerait qu'on ait fini. Parce qu'on a vu... 3-3, 3 sur 3, mais bon, est-ce que ça veut dire on a eu le 3 sur 3, ou alors on a eu... le troisième, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Nanites are even more adaptable than I ever thought. They are beautiful creatures. Sometimes I don't feel worthy enough to be around. But Dr. Barrett is the only one who understands. He will lead us into the future. The others, they'll see. They think I've cracked, lost my mind, my worldview, my entire state of being offends me. Attends, c'est de quel côté c'est là?
Alors, fais voir. You doing well, fellow survivor? Je suis chargé de ces mutants. Well done, fellow survivor. Looks like we've both been busy. Did you get me the prototypes? Il a bien, j'aime bien son arme en fait, mais il est stylé le mec, honnêtement. Amazing. This is exactly what I've been looking for. With this, I might be able to hold back my nanite infection. I need to ask you for one more favor. Here, take this implant. I think you'll be able to charge it up by walking through a scanner gate. See, the one right over there. That should do the trick. I'd go myself if it wasn't for my broken leg. Objet avec implant cassé. D'accord. Activer l'implant. Oh, je le sens mal ce truc. On devrait pas faire d'abord le ménage. Quoi ce bruit? Attends, on va tuer d'abord ces deux là parce que... Bien. Ah, j'avais pas le torse Lynx. Rendez l'implant. Ah ok. C'est la première fois qu'on l'a fait, ça avait... Nano Absorber Uxy. La première fois qu'on l'a fait, ça avait sonné et tout ça. Réduit fortement le taux d'accumulation des nano effects. How's it going, fellow survivor? Alors, chargé et paré. This is a breakthrough. It works. It actually works. Yes, smiley. I'll even be able to hold back my own nanite infection. Sur son chargeur. Oh, right. I never mentioned it, did I? I wasn't quite forthright, I guess. I was patient zero, the first to be infected. I've been able to fight the disease, but time is running out. My leg is almost gone. That's why I came down here. But now with this implant, I have a chance. This won't cure my infection, but it will contain it, at least for a while. Donne-moi ça tout de suite. Je vais devoir y réfléchir. Utilise-le sauf ta peau. Whoa, merciful Lord. I am so relieved. Thank you so much, fellow survivor. This feels like a new lease of life. Makes me realize how much I'm wasting my time hunting boogeymen in the sewers. I'll have to face the light of day again. I can only help people if I return to the outside world. Cool. Mission accomplie. Butterfly corrompu. Ça c'était les trucs de feu. Je crois, non? Ah maintenant on a les corrompus. 61 dégâts. Ah c'est des dégâts de poison. Ah. Ouais. Dégâts de poison, honnêtement, ça peut être intéressant, quoi. Enfin, je vais pas l'utiliser moi, perso, hein, j'aime pas, mais... C'est vrai que c'est rapide et c'est du poison et tout.
No time to talk, fellow survivor. I have work to do. Ok, ça marche. Bon bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ouais. On a un peu avancé, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a là, de ce côté? Très bien. Maintenant, du coup, on va de quel côté? C'est ça ma question. J'aime bien ce mouvement là. Putain, on les enchaîne. Ouais, sinon on doit aller donc au métro en fait. Je vais être honnête, je sais plus par où on passe par le métro. Ah, je crois que c'était vers le camp AID, non ? Je sais plus comment on y va en fait. Ah, je vais être honnête, je sais plus comment on y va. Ici, ça va pas au métro, ça va là où là-bas? Attends, si on descendait. Parce que si Warren y parle du métro, peut-être y aller en fait. Non, là il y a rien, je crois. Non, là c'est où c'est qu'on avait eu l'explosion et tout. Il y a plus rien à voir. Enfin, je crois. Ouais, il y a plus rien à voir. Ça m'embête un peu. Je sais pas par où passer. Encore une fois, ça commence à me fatiguer. Je crois que ça va être le moment où, encore une fois, on va faire une petite pause et je vais regarder où aller. Je vois pas pourquoi il tire à chaque fois, de toute façon il tire même pas dessus quoi. Non, on était passé par où pour le rejoindre le mec? Je sais plus. On a ouvert ça ? Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est sombre ? Là, par contre, je suis pas très fan de du côté sombre du jeu quand même. Mais le 1, on avait la même chose. C'est juste un peu embêtant, on va dire. On est où là?
c'est la porte. CIT. On arrive à quelque part, c'est pas exactement où je voulais aller, mais bon. Après, on peut sortir du CIT, on sort au Cloud 9. Et normalement, on a un chemin vers le métro pas trop loin. On peut faire ça. Pas le plus rapide, hein, mais bon. Mais bon, j'ai que ça en tête pour le moment. Donc on va aller voir ça. Our beloved brother Eli, defender of the spark, has been taken from us by a denier of truth. One who would drag us all into an abyss of ignorance and hate from which mankind could never emerge. But fear not, my children. For we are living in the time of prophecy. It was foretold that one among us would be cast down by the forces of sin, only to rise again, purified. The spark incarnate who will smite the heathen. Our one true path to an eternity of righteousness. Hear my words. A miracle is at hand. By the ever-growing powers of the spark, Brother Eli will live again. Come to the cathedral, my children, and witness revelation. Children of the spark. Et voilà. Donc, on a eu des petits changements de plan. par rapport à quand j'ai arrêté, en fait. donc, vu qu'on a récupéré maintenant le matériel, en fait. Donc, non, attends, on va faire ça. On va garder des pièces détachées de côté. Vu qu'on a récupéré le matériel du coup, ah tiens, on peut aller en violet. Pour avancer dans l'histoire, maintenant il y a ça. Donc du coup, on va retourner au port Nixon. Et on va aller à la cathédrale du coup. C'est ce qu'on doit faire en fait. C'est un peu bordélique le système et tout ça. Faut que ça monte, ça descend, ça va à droite, ça va à gauche. Labyrinthe de fou. Donc on va aller au port Nixon. Il faut aller où il y a les bateaux entreposés. Et après on devrait trouver la cathédrale. Maintenant il y a quelqu'un par terre. Ouais, il y a des petits changements maintenant ici. Voilà. Et voilà, maintenant il y a des petits changements. Pff, aïe 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 aïe. C'est ça qui est un peu chiant. Honnêtement, ça donne limite même pas envie de le refaire le jeu parce que c'est tellement labyrinthesque et tout. Donc ouais, maintenant on peut se balader à Port Nixon. Et avancer dans l'histoire. Non, on l'a tué, merde. Hop là. Faut des parties. Mais ouais, ça fatigue au bout d'un moment de faire des allers-retours sans cesse. Waouh, comme je l'ai bien loupé. Là non. Très bien. Je me demande si on l'a cette armure. Bah si, vu qu'on récupère des pièges, j'imagine que oui. Voilà. Alors, est-ce que c'est par là? Non, c'est pas par là.
Je crois que c'est de ce côté. Ouais, je crois que c'est là. On va voir. C'est marrant en fait ce coup de pied retourné comme ça. Le fait que ça enlève la tête. Voilà, là. Tada! On y est. Y'a quoi là? Y'a un passage apparemment. Alors. J'ai entendu un. C'est quoi ce bruit? Ah! C'est bon, t'as fini? Ah, casse-toi. Ouais, non, mais là c'est en bas en fait, on s'en fout. Ah, très bien. Territory. Ok. Territoire. Ah, là. Follow me, my disciples. For today the children of the Spark have found a new home. In this mighty cathedral, we shall devote our minds, bodies, and souls to the almighty Spark. Here, we shall honor the Harbingers and torture those heathens who dare defy us. Because as forgiving as the Spark can be, it will not abide those who challenge our authority. Now, the glorious punishment shall begin! Oui! T'inquiète pas, j'arrive avec ma hache. Je vais t'en donner, moi, des prophéties. Moi j'aime bien, j'imagine bien le mec arriver avec la hache et tout qui met tout le monde d'accord et tout, ça fait stylé. Après j'aime bien qu'on n'ait pas d'éléments sur les armes, enfin, c'est sympa. Enfin il n'y a que la hache double, mais si on trouve un truc double sans éléments qui est stylé, on l'utilisera. Je sais pas, je préfère ne pas avoir de truc. Oh. Oh. Yeah. Oh putain. On a vu Iron Mouse, c'est l'acteur. Shut up. Less blabbing, more shooting. Oh, you want to talk. You're giving our enemy the edge. No, you're giving them the edge. Focus. OK. C'est l'acteur, il est venu nous aider. J'espère qu'il va pas se faire tuer ce con. Voilà. Oh. My brethren found something amazing in the wreckage of Flight 221. Nanites, incredibly pure and evolved like nothing I've ever seen. Truly, they must be the sworn sacred harbingers foretold to redeem us all. Something lures me ever closer to them. At night, I hear them speak in many voices, begging me to become their vessel. My mind is reeling with possibilities. If we can harvest their power, then I shall become immortal. Okay. Attends, on peut pas aller lui casser la gueule là-bas? Dirt water. Shouldn't we at least have some death lasers or force fields? Anyone could drain this slop. Nobody would dare to, you damn fool. The matriarch's divine plan shall not be questioned. Tac tac. Étage point immergé. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Drainage procedure in progress. Voilà. Vire-moi ton eau de merde.
que je puisse avancer. Espèce de cinglé. Ah, là c'est fun. Là c'est fun. Qu'est-ce qu'on fait? 86K. Non. Pas besoin de. Je monterai le niveau si on peut faire moins 5 niveaux. Parce que je voudrais garder de. Des. En garder de côté si jamais on. Bon, je sais que c'est cette porte là, mais on va voir ailleurs. Je sais que c'est. Putain, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, il y a un objet là. Si jamais on change d'armure, voilà, c'est ça que je veux dire. Non! Ah, on était bon. Alors comment on y va chez lui? Va te faire foutre. Putain le mec quoi. Bah ça passe à travers. Par contre, voilà. Ouais, non, comment on y va? Je vois pas de tyrolienne, en fait. Je vois que à l'intérieur, là, sur la gauche. Et je voudrais bien aussi avoir ça, là. Ouais, on va continuer d'avancer. Oui! Hop là, on est bon. Avance. Alors, faut voir ça. Lumière. J'ai vu qu'il y avait un... Ouais, il y avait un truc là. Non, 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 non. Oh, j'ai réussi à monter. Ok, je pensais qu'on pouvait pas tomber, mais apparemment si. Alors attends, c'est un peu le bordel. On va pas tomber dans ton eau pourrie. Ton eau électrique là. Donc on va aller de ce côté. Il y a un objet là, mais ça va être sur moi de l'autre côté. Waouh, centrale super high-tech quand même. Is it true, Mother? Yes, Eli. We have indeed found the sacred spark. Those pathetic Creole fools won't be a match for our loyal soldiers. The hour of darkness is creeping ever closer. With this power at our fingertips, we shall remake the Earth in our own image. You know why animals survive and evolve? Because unlike us, they are in touch with their environment. It's not about nature, son. Not anymore. We're surrounded by nothing but technology. Yet we can't even hear its voice or feel its beating heart. If humans want to survive, they have to become one with the world around them. Yes, Mother. The spark will strike! The world will change! Cool. Alors... dégâts augmentent pendant un court instant lorsque une batterie est remplie. Ah, ça c'est bien ça. Bien, les attaques qui frappent le sol produisent une explosion électrique. Ouh, ça c'est intéressant ça. Après, j'aime pas trop le style. Genre avec le gros cercle là, sur la, au-dessus. On l'a celui-là ou pas? Non, on l'a pas celui-là. C'est à nouveau. Dégâts augmentent pour un court instant lorsque une batterie se remplit. Ça c'est pas mal ça. Faudrait savoir en fait de combien. Mais ça peut être bien. Ça peut être bien.
Genre 3 parties, hein, pas plus. Je pensais qu'on pouvait... Bon, j'ai l'impression que... Ah ! Bon, je sais pas, on va avancer. C'est bien parce qu'on peut les laisser regarder leur petit film. Qu'est-ce qu'il nous reste la tête? Voilà. Ouais, c'est bon. Bah non, non, c'est bon. J'ai pas envie de t'écouter encore. Je me suis loupé. Vache. Je vais te calmer. Bon, très bien. Ah, on peut passer par là, ok. Très bien. On peut avancer. Brother Eli warned us. You're an enemy of the Spark. Putain, mais à la rapidité. Rapide, c'est con. Ouais. Enfin, honnêtement, j'en ai tué beaucoup en fait des gens, honnêtement. Dégâts électriques, crucifieur fanatique, lance. Putain, elle est déjà en 5, 6, 7. Eh, c'est pas mal ça. Lance électrique, c'est pas mal. Ouais, là, elle a un peu la gueule d'une lance, au moins. Par contre, il y a un chemin, là. Ça a pas l'air d'être activé, par contre. On va pas sauter. Putain, votre cathédrale, c'est le bordel, hein. Ok, très bien. Ah, maintenant ça marche. Très bien. Ok, électrique. Me défoncer. Ok, ça m'a saoulé.
Je vois pas pourquoi je combats avec ça, je voulais un peu tester, mais c'est vrai que j'aime pas vraiment les lances de 1, et de 2 elle est pas augmentée, c'est bien. Donc genre pour se suicider c'est cool quoi. Ouais ouais non mais attends. Si on a d'autres choses encore. Oh là là. T'as un ennemi? Non. Je vois rien avec la lumière. Welcome to my secret chamber of trials and tribulations, disciple. I've been waiting for your arrival. I reckon you've come for the initiation. That's what they all do. Nobody ever visits old brother Quizman for a social call. There's only one step left on your road to enlightenment. Three questions tell the cathedral's truth. Answer them, or burn in eternal damnation. Fail the exam thrice in a row, and you shall face my righteous wrath. Don't worry, I won't judge you, no matter the result. The almighty Spark, however, will. Bien sûr, allez. Praise the spark. I'll be praying for your success. Alors, parle-moi des enfants, petit indice, je t'en prie, pose ta première question. Very well. Have you opened your eyes to the spark's divinity? Studied the holy murals to behold its glorious shape? Tell me what the almighty spark looks like. Elle est bleue, je crois. Luciole, éclair angélique, soleil de pont, éclair angélique. Interesting. Very interesting indeed. Ok. You think you know about our history, don't you? If you do, I'm sure you remember which acolyte was boiled to death by an unholy interloper. Du Sicile qui a été ébouillanté par un intrus profanateur. Aucune idée. Il y a que Little Johnny que je connais. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il était dans une machine. Interesting. Very interesting. Ouais, peut-être pour ça. Now you think you know it all, don't you? That smarmy grin on your face says it all. So, I have only one thing to say. The spark will strike. Et c'est pas grave. La terre va brûler. La lumière va brûler. Le monde va changer. Your answers intrigued me, disciple. But did they impress me? We shall see. You got everything right. Yeah. You've proven your faith like a true believer. By the power bestowed upon me, I anoint you. You're a true child of the spark. Now, take this weapon and spread our holy gospel all around Jericho. Soon, the world shall bow before our might. Merci. C'est quoi l'arme? Welcome back, Div. D'accord. Peut te mettre des baffes. Infidèle, no more. Welcome back, Div. Je savais pas qu'on pouvait taper les. Je savais pas qu'on pouvait taper les NPC en fait. Thank you.
Ah merde, on lui a pas coupé le... Oh, c'est pas grave. De toute façon, il avait pas de... Il avait juste une lance normale. Enfin, je crois. Ça, le problème, c'est que je sais pas trop, vraiment. Je pense que l'arme qu'il voulait nous donner, c'était la lance. J'imagine. Je sais pas, il nous a dit, tiens, prends l'arme. Et bon. Il m'a pas donné d'arme, quoi. Attends, c'est où que j'ai vu un objet, moi? Là. Ah, merde, pardon. C'est quoi combo croisé? Je sais toujours pas. Non. Allez, on avance. C'est là-bas. Mais ouais, je savais pas qu'on pouvait taper les NPC. C'est vrai qu'en fait... Oui, on peut. Ah, attends, il y a le saut là qu'on aurait pu faire. Que j'ai dit au début que je. Il y avait de l'eau, on pouvait pas le faire. Peut-être que maintenant ça sert à quelque chose. Par contre, je sais plus par où il faut passer. Là, ça. Hop. Super. Un plan MK2, si j'ai bien vu en plus. C'est nul. Bonjour, je viens réparer. On va essayer d'enlever l'eau en premier. Oh. Ok, peut-être après. Ah oui, mais on est de retour dans le dans le réacteur en fait. Mais de l'autre côté. Ouais, voilà. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Alors, fais voir un peu si on a tout. Je crois qu'on a tout, hein. Oui, c'est ça. Étincelle, c'est une classe sentinelle. Crucifère lunatique. Ouais, moi j'aime pas trop parce que ça fait pas de... Ça fait pas assez de dégâts, je trouve, les lances. Je sais pas. Bon, après, c'est pas mon style aussi. Je suis pas trop ta arme qui tape vite dans ce jeu. Ah, yes! Welcome to our new secret lair. This place beats even my command center in Iron Mouse 7. Hide and squeak. I call it Mouse Base. Hmm. Neat, isn't it? I came up with that myself. Both words. Wow. Toujours partant de notre dieu de choc. Way ahead of you. I've already scouted the location. They didn't even see me lurking in the shadows. So, here's the deal. Once you run into the extra tough lowlives, I'll contact you on the intercom. If you need my help, I'll come swooping in. I've already come up with a new catchphrase. Squeak, squeak. You son of a bitch. Wow. C'est une sacrée cascade là dehors. Not too bad, eh? I've always had a flair for the dramatic, but this might have been my best entrance yet. Too bad there was nobody there to film it. Anyway, on to more serious business. Let's fight us some crime, faithful sidekick. Yay. Je veux t'envoyer en mission. Great. You won't regret it. I've been training for this opportunity since Iron Mouse 1, the first rodent. Look out for the mouse symbol. I'll spray it on the wall to mark my victory whenever I kick some cultist ass. Okay.
Take care out there. Those guys are crazy. D'accord. Donc le mec, il va taper des gens et... Ouais. Il est bizarre, hein, ce mec, quand même. Il est bizarre. Alors attends, moi, il y a un saut qu'on pouvait faire là. Oh, il y a ça aussi. The harbingers have whispered to me yet again. Soon they shall awaken to full power. We have learned so much ever since that fateful day Flight 221 found its way to our land. The mysteries of the world have become crystal clear. We finally gained control over life and death, but only for a chosen few. Only those of strong mind and body can endure the procedure. And yet, one final enigma eludes us. Even with the power of the spark, we have not yet unleashed the Harbinger's true might. But someone I haven't seen since my student days, Jonah Gutenberg at CIT, has been researching exactly what we need. In due time, his knowledge shall be mine. The new dawn is upon us. Putain. Alors là, il y a un passage. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte ou pas? Non. C'est un sacré labyrinthe encore ici, hein. Je sens, j'ai vu un objet qui était sur une sorte de tuyau là. Je sens qu'il va falloir tomber dessus. Ah bah voilà. Et du coup... Voilà. Ouh. Alors, lorsque la santé est au maximum, la vitesse d'attaque est augmentée, 5%. Ouais, bof. Attends, il n'y avait pas d'autre passage, non. Pas mal l'attaque. Ah oui, c'est vrai que c'est ça en fait. J'adore ce truc. $800 dans ta gueule. Rien du tout. Enlève-moi ces boîtes. Oh le fun, oh le fun. Ok. Ça marche, on peut avancer. Toit extérieur, ça sert d'aller là. Wow. Someone, anyone, Rex. Get me out of here.
I remember you. C'est qui ça? You're the one who like found out what happened to April. Ah oui. Je peux voir ce que tu vends? What? Right now? I'm in a freaking cell. Oh. Yeah, ask me again if I ever get like out of here. Ça marche. I like came here to save my ex from the children of the Spark. Turned out to be a great decision. Not. They'll like sacrifice me on an altar if I don't join them. Totally rude, dude. Come on. You gotta dude? Get me the key. I'll never find her trapped in this stinky ass cell. Je m'en occupe. Oh, cool beans. You're a real amigo. Tu as retrouvé ton ex? Well, she's not in the cell. It's about as much as I know. Okay. But she must be somewhere close by. I can, like, feel it. April always said I was really good at sensing things. Kind of like a dog, you know? It's cool, right? Okay. Adios, dog! Il est marrant. J'aime bien ses réponses, ses répliques et tout. La façon dont il parle et tout aussi. Attends. Ouvrir la porte. Ah, du coup, on est de retour ici. Ah, comme je vous avais dit, ça c'est du pur The Surge quoi. Vous avez un hub central et tout est relié en fait au hub. C'est abusé quoi. Incroyable. Lorsqu'un minimum de 3 bâtiments sont remplis, l'impact est augmenté. 20% d'impact en plus. C'est pas mal ça. Donc il faut que je trouve les clés. Voilà. Il y a un objet là. Circuit un plan MK4. C'est nul, les objets, c'est nul. Les objets qu'ils nous donnent. Fait chier, ils nous refont passer là, il y a les mecs. Ouais, donc maintenant on est à la recherche d'une clé. Bah c'est où la suite? Parce que qu'est-ce qu'on a accompli en fait? À part revenir ici? Je comprends pas. Là? Attends, il n'y a pas un truc électrique. Ah non, 3. 2. Tu veux que j'aille là-bas? Process nanites activated. The link is established, Brother Eli. Excellent. Patch me through. System corrupted. Hacking attack detected. This is your new lord and master speaking. Who is this? Oh. Identify yourself immediately. There's no need. You'll be my eyes and ears at CIT now, and you won't remember even one tiny bit.
I would never betray Master Gutenberg. Sending override calls to the Harold system. Harold firewall holding. Defense drain remaining 2%. Ah, du coup, c'est lui qui a... qui a hacké le robot. Qui a hacké Harold. On vient juste de l'apprendre grâce au, à l'audio. Attends, on a fait ça. Peut-être, faut que je monte, que je retombe, je pense. Non ? Bah non, non, c'est d'où on vient. Oh là là, labyrinthe de ouf quoi, je sais pas ce qu'il faut faire en fait. Là c'est où il y a Iron Mouse. Welcome back, sidekick. Take care out there. Those guys are crazy. Ouais, y a pas une des clés là? Non. Ah, c'est pour aller dans l'eau, du coup, ça marche pas. Parce que faut baisser encore l'eau d'un cran. Il y a là aussi. Ah mais là en fait on peut juste tout simplement passer, c'est juste de l'électricité ça. Voilà. Si on avait l'armure entière de lui. Ça, c'est le frère Eli qu'on a tué deux fois. Everyone dies. Like withering flowers, we decay little by little. Until all that remains is dust. When I was a young man, I thought myself immortal. Such arrogance thinking you have all the time in the world. But with every passing year, the speeding train that we call time went faster and faster. Soon, life seemed to be slipping through my fingers like grains of sand. That's when I was told the truth. Was told what I had long suspected. My days were numbered. Time is a luxury I no longer have. Humanity is at a crossroads. Soon there will be only two choices. Eternal life or oblivion. We shall greet the new dawn with open... Kyle Beck, I mean, Iron Mouse here, over. Job done. I've returned to base. Over. All right. Come back if you need more help. Over and out. Iron Mouse, Roger. Whoever that is. Heh.
Je me demande du coup si on a un ennemi en plus à combattre, si s'il est pas là. Merde. Bien. The matriarch warned us about you. Bah fais rien hein, mec. Enfin si, ouais, c'est des coups de hache dans la tête aussi, bon. Le mec il titube un peu quoi. Ah merde, ramène-toi. Ah, c'est pas ça que je vais faire. J'ai l'impression que l'autre elle nous parle. Okay, parfait. On a une ouverture à l'extérieur aussi. On peut remonter ou pas? Il y a des passages partout, mec, c'est ouf. Voilà. Ferme-la. J'ai juste une hache. J'ai juste une hache, les mecs. Bon, après, je sais m'en servir. Hein. Voilà. Il y a un autre mec, j'ai vu. La vie, elle voulait pas descendre de sa jambe. Oh merde, bouge. Chambre du réacteur.
ça me dit boss. Ça me dit boss, donc on va pas le faire maintenant. Ouais, ça dit boss, complètement boss. Non, on va pas rester encore. Je veux retourner sur mes pas. Aller. Je sais pas trop. Ça va où là? Coffre. Aller à l'extérieur là, quand on était sur la cage de technologie avancée. Sur le rebord. Il y avait une porte et tout. Donc, du coup, on va refaire le chemin. Vite fait. Ah, par là. Très bien. À gauche. Genre, il y a la porte là, mais apparemment on peut aussi aller sur le toit. Bonjour. Pas très sympa. She is the cure. Je me demande si ça parle de moi. Ouais, ils parlent sûrement de leur copine. Passer par là. Je vais pas pouvoir remonter du coup. Bah, c'est pas grave, on refera le tour. Ok. Oh, quelle merde. Voilà. Ah. Non. Ça sert à quoi cet endroit, putain? Bon, apparemment c'était juste pour ça. Comment je remonte? Tu veux que je saute? On va crever. Je sens que je vais crever. Se sauter vers le bas, ça passe. Mais sauter vers le haut, c'est autre chose. J'ai l'impression d'être bloqué. Putain, on va essayer de sauter, je vais crever. Oh, c'est bon, ça passe. Dis-moi que tu peux monter par en vrai. Ouais. L'ennemi vengeur est apparu. Ah, je l'ai vu en truc. En bas à droite, ils l'ont dit. Ça a pas la tête de me sauter dessus comme ça. Ah voilà. Vas-y, ramène tes fesses.
Ah, ça fait mal, ça. Hein. Voilà. On a plein d'objets en plus. Ah, c'est cette porte-là, d'accord. Ouf. Bah ça, c'est sympa. Parfait. Moi du coup je vais devoir faire une petite pause. C'est embêtant parce que là ça devenait fun. De toute façon on a tout débloqué. Je pense qu'on a tout débloqué en fait. Je regarde une dernière fois, mais là on a la sortie en bas. Ouais, en bas il y a encore des trucs à récupérer. Il y a des objets à récupérer. Peut-être que je peux le faire. Oh, il s'est accroché automatiquement. Ah, pas là. Comment tu veux que je descende en fait? Genre je me jette. Ça me dérange pas hein, perso. Hein. Genre y a pas un moyen... Genre un raccourci... Ah, de l'autre côté je crois. Là. Ah, c'est celui-là. Voilà, très bien. Alors, on a ça. Ça, on y allait, je crois. Ouais, ça, on y allait. On y allait même en avance, en fait. On a un objet là. Là, on a quelque chose aussi. Je pense qu'il va falloir sauter. Your Highness, your son has perished again. Which one this time? Eli. Of course. I should have known. Such a loyal soldier. Always throwing himself into harm's way to further our holy cause. Start the ceremony at once. But, Your Highness, his behavior is getting more and more erratic. I'm not sure if, Silence! Eli shall walk the earth once more and bring our glorious plan to fruition. We cannot succeed without him. His connection to the swarm is unique. The spark will strike. The world will change! Donc c'est elle fait quelque chose pour qu'il revienne à la vie, en fait. What the fuck? C'est Johnny. Waouh, yay, on l'a tué. Alors, inscription étrange. À mémoire de Little Johnny, ébouillanté par un traître. Et Johnny, on l'a encore tué. C'est fou. Après, il y a là, mais on peut pas détruire le mur de Nanite encore. Et il nous faut encore saloperie de clé là. Oh. Ok. Je vois pas à quoi ça sert de... ce raccourci. Il y a un objet là-bas, tu te fous de moi? Ah, c'est un labyrinthe le machin quand même.
Parce que j'ai peur que si on sorte, que ça soit en fait, bah genre la zone du boss et puis basta. Que ça soit pas que on puisse rien trouver d'autre. Il était où l'objet exactement ? Je sais plus où il était l'objet. En hauteur sur des tuyaux, je crois. Là, il y a Iron Mouse, il est parti. Ah non, il est là. Hey, how's it hanging? Comment tu as tué ce type ? Two parts stealth. One part cunning and a lot of luck. To be honest, I thought I was a goner when I fought that brute. Even lost part of my armor. It isn't nearly as fun as the movies make it seem. Prêt à remettre ça? I mean, if you need me, I won't say no. Just remember, I'm still tending to my wounds. I really went all out last time. Allez! Gotcha. Tough as iron. Ouch! This is gonna be a rough one. Écoute. Take care out there. Those guys are crazy. Bon, faut pas que tu te suicides non plus, hein, faire le con. Moi, je cherche toujours l'objet qui est quelque part. Pourquoi il est hors service celui-là ? Pourquoi il est hors service celui-là ? Je peux juste descendre dedans ? Je peux juste descendre en fait, non ? Ok, on va trouver un autre. Porte principale. Ah ah. Ok, bon, bah ça va être l'heure de s'arrêter. Genre, il y a des raccourcis, ils sont là, t'as l'impression qu'ils sont juste là pour être là, quoi. Genre, c'est des gens qui rajoutent des raccourcis qui servent un peu à rien, parce que... voilà, quoi. On peut déjà aller n'importe où. Aïe, aïe. Là, on pourrait faire passer pas mal d'équipements en rose, mais... enfin, en 8. Mais bon, on va pas le faire pour le moment. Ça... et voilà. Yeah, c'est combien ? Donc c'est 75, on a 5 batteries. D'accord. 80. Voilà, très bien. Donc maintenant on a 5 batteries. Et ce qui est bien avec notre armure, c'est que... c'est... il augmente davantage la résistance lorsqu'une minute de 5 batteries sont remplies. Donc quand on a batterie à fond... on devrait peut-être avoir, je sais pas, plus 200 de défense, truc comme ça. Donc ce serait cool. On a un nouvel emplacement d'implant. On a... bon, on n'a pas énormément. Je vais voir. Puissance. On peut aller jusqu'à 6. Vie des batteries avant qu'elles se déchargent. On augmente la quantité des pièces. Lorsque la barre d'énergie se vide, qu'on fait une régénération, ça peut être pas mal. Santé, faible gain d'énergie, non. Ça c'est pas mal, genre on regagne un peu de santé quand une batterie est remplie. Donc ouais. Il augmente les dégâts de poison, nano, infligés aux ennemis, ainsi qu'intensité d'effet, non.
Ah, ça c'est pas mal. Lorsqu'une... Oui, ça nous permet d'avoir une seconde chance en fait. Lorsqu'une attaque ennemie aurait dû vous tuer, la santé est restaurée au prix d'une batterie. Ouais, ça serait un truc de... Comment dire, genre... ouais, une deuxième vie, quoi. Ouais, c'est une deuxième vie. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ah, je suis content. Là, c'est sympa, là. Ce qu'on a. Bon, pour le moment, on n'a pas de nouvelle armure, mais bon. Mais ouais, honnêtement, une armure qui remet des tirs, là, putain, moi, j'aimerais bien, quand même. Hein. J'aimerais bien. Mais on n'en a pas. Enfin, il faudrait à chaque fois un set complet, je crois bien. Ça aussi, on pourrait l'utiliser pour avec la nano-explosion et faire un build nano et tout, mais bon, le problème, c'est qu'elle est très moche. Nano-empoisonnement qui restaure de la santé. Et je voudrais bien voir la force des éléments autour de vous, là, qui est infligé au coup de grâce. Ça peut être pas mal. S'il faut, c'est une petite tempête autour de nous. Ça peut être cool. Ça, non... Ouais, non, il nous faudrait ça. Ça permet d'obtenir deux demi-cellules d'une batterie remplie. Lorsqu'une batterie est remplie. Ouais, ça, ça peut être vraiment le top. Pour nous. Enfin, pas le top, mais si on veut jouer un peu drone, en fait. Parce qu'il n'y a rien d'autre, en fait, qui fait ça. Ouais. En tout cas, on va s'arrêter là. Et on est prêt pour notre boss. On va lui donner un peu de... Une hache. On va s'amuser avec une hache. Puis on a une deuxième vie, puis on a 5 batteries. Honnêtement, on est monté de niveau au bon moment, au bon niveau aussi. Mais ouais. À la prochaine, ou à tout de suite, pour le boss.